Solidaire d'abord, et donc on va vous parler de plein d'événements qui vont se passer dans ce courant de mois de juin, hein, évidemment. La première chose, c'est il va y avoir la fête à Macron. Hein, oui, son anniversaire. Son anniversaire, un an avant qu'il s'en aille. Hein, donc on va fêter ça. Le 12 juin. Et le 12 juin, on va fêter le fait que Macron va s'en aller dans un an. Voilà, ça s'arrose. Ça s'arrose un maximum quand même. Hein. Ah oui. Alors, y a, partout en France, il y a des gens aussi mal lunés que nous qui vont le fêter. Hein. Oui, oui, oui. Je crois que... C'est national. C'est national, voilà. Oui, c'est national. C'est une ce sont des manifestations qui sont organisées. Donc, pour les libertés, contre les idées de l'extrême droite, mais aussi pour la fête à Macron. Pour la fête à Macron, voilà. Partout en France, on va fêter le 12 juin. Le fait qu'il n'y a plus qu'un an à subir. Enfin bon, voilà, on espère. Et donc, il y aura des manifs. Alors, à Aubenas, je crois pas qu'il y ait une manif. Non. On ne sait pas, mais a priori, pour l'instant, ça part pas pour qu'il y ait une manif à Aubenas. Il y en aura une sans doute à Privas. Et il y en aura à Valence. Il y a plein de gens qui vont aller à Valence. Entre autres, ceux du Bourneau préoccupé vont aller à Valence. Je sais qu'au départ, ils voulaient faire une manif de droite pour faire la fête à Macron en disant, plein de slogans de droite, tu vois, du genre du pognon pour les riches, rien pour les pauvres, enfin, tu vois, des trucs à la noix, quoi. Oui, bon, on les connaît, les slogans comme ça. Voilà. Et puis finalement, vu que ça se fait pas, ça peut pas se faire parce qu'ils voulaient, ils comptaient sur une convergence entre les gens de Die, parce qu'il y a à Die, il y a aussi des lieux culturels occupés. Et puis à Valence, il y a la fabrique de Valence qui est occupée. Mais finalement, ils participeront à la manif de Valence, c'est tout. Voilà. Et donc, moi, je sais pas, j'irai peut-être pour filmer. Enfin bref, je sais pas. Alors ça, c'est pour le 12 juin à venir. Et puis, il y a le 19 juin. Alors là, pour le 19 juin, il y a plein de choses qui sont dans les cartons. Écoutez bien, donc le 19 juin, il faut retenir la journée, parce que le matin, il y aura quelque chose à Aubenas. À partir de 11h sur l'Agora, il y aura le MRAP qui organise une journée, parce que le 20 juin, donc le dimanche, c'est la journée mondiale des réfugiés. Alors, par rapport à cette date du 20 juin, eux, ils le font le 19, le MRAP d'Aubenas fait cette journée le 19, de 11h à 15h. Donc, ça commence le matin à 11h, ça va jusqu'à 15h, et il y aura une participation de la cantine populaire. Pour le repas. Pour le repas. Donc, les gens pourront, qui seront allés à cette manif statique, hein, c'est une manif statique, les gens resteront sur place avec des stands qui présenteront plein d'éléments sur justement les réfugiés, tout ça, qu'est-ce que c'est. Il y aura des prises de parole et il y aura donc un stand d'information voilà, pour l'événement du 19 pour le MRAP, de 11h à 15h, c'est ça. Et il y a une loterie d'organiser ? Alors, après, ça, c'est autre chose. En même temps, donc, d'autre part, parce que c'est pas pour le 19, hein, c'est, ils organisent, le MRAP Aubenas organise une tombola virtuelle, une tombola sur la chaîne, enfin, je sais pas comment on dit, on va sur Internet et on tape « Hello Asso hein, ».« Hello Asso », H-E-2-L-O-A-S-O, et après on tape MRAP Aubenas. Et là, on a, ils nous dirigent sur une tombola qu'ils sont en train d'organiser, et cette tombola,
Elle est là pour, parce qu'il y a besoin de sous pour à la fois faire vivre le MRAP au niveau administratif, mais aussi, surtout, au niveau juridique. Parce que ben, ils vont défendre à chaque fois des jeunes qui sont sous le coup d'OQTF, hein, d'obligation de quitter le territoire, etc. Il y a à chaque fois des procédures judiciaires, il faut payer des avocats, etc. Enfin, ça coûte cher. Et donc, ils organisent cette tombola virtuelle. Alors là, en fait, ce que l'on peut gagner dans cette tombola, ce sont à la fois des produits locaux ou des œuvres d'art. Donc il y a des gens qui ont contribué pour abonder cette tombola de cette manière-là. Le tirage se fera le 21 juin. Mais là, tu m'as cassé un peu mon truc parce que moi, je voulais parler du 19 juin. Le 19 juin, donc de 11h à 15h, le MRAP. Et de la même manière, le même jour, ça sera de 14h à 19h qu'il y aura quelque chose qui va se passer à Saint-Pierre-de-Colombier. Au sujet de la basilique qui devait se faire. Parce qu'apparemment, la basilique ne se fera pas. La basilique ne se fera pas, comme tu dis, ouais. Apparemment, oui, c'est bien parti pour qu'il soit débouté, l'association là, de religieuse soit déboutée et puisse pas faire la basilique. Voilà, ils ne pourront pas faire la basilique, a priori, il y a plein d'éléments, là, maintenant, ouais. Nouveaux encore, qui se sont rajoutés. Là, l'évêché, déjà, il s'est positionné contre. Oui. Maintenant, c'est le Vatican qui s'est positionné contre. Mais même donc, au niveau légal, hein, apparemment. Oui, point de vue légal, point de vue diversité biologique, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. Oui. Et que finalement, bon, à force... Ça ne devrait pas se faire. Ça devrait ne pas se faire. Alors le 19 juin, ils ont prévu une grande journée pour justement mettre un peu tout le monde au courant. Oui. Et en même temps, ils organisent un marché paysan, un peu comme ça s'était passé. Nous, on avait organisé ça aussi. Juste avant Noël. Voilà, pour juste avant Noël, et ben, il y aura aussi un marché paysan. Et artisanal. Voilà. Et donc ce paysan artisan, alors avec des vanniers, avec un bijoutier, avec des gens qui vont des maraîchers, donc évidemment, il y aura des gens qui proposeront des fromages de chèvre, de la poterie, du tricot et des produits autour du cochon. En fait, tous les exposants de Chirol, si j'ai bien compris, participeront à ce marché. Et donc voilà, ça devrait être quand même très très sympa avec ces produits locaux. Ouais, festif. Un peu de festif, ça fera un peu festif. Et voilà. Il y aura des prises de parole. Il y aura plusieurs prises de parole. Alors, il y aura d'abord à 15h une prise de parole pour faire le point juridique, justement, où est-ce qu'ils en sont, c'est-à-dire ce que tu as commencé à développer, hein, Denis, pourquoi tout ce qui montre que ça va à l'encontre de l'intérêt général, en gros. Hein, voilà. Et puis, à 16h, il y aura le groupe Oculus Macadam qui va passer. C'est un groupe de Chirol avec Juliette. Ceux qui connaissent Juliette, ils savent que c'est de la qualité ce que fait Juliette avec son groupe de musique. Et puis à 17h30, il y aura Pierre-Yves de la Conf qui va venir nous faire un peu le point sur l'artificialisation des sols. Voilà. Donc voilà, il devait, c'était déjà prévu qu'il vienne le faire à un autre moment et en fait il va le faire à ce moment-là. Oui, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire parce que vraiment là. Au puits, là, ils font fort, hein, là-haut. Ouais. Alors, en même temps, ils pensaient inviter le collectif de la Ville-Dieu, et ils pensent aussi inviter le collectif des sucs, là. Vous savez, au puits, en ce moment, il y a... Le collectif de la Ville-Dieu, il faut le rappeler, c'est contre l'usine de goudron. Oui, la Ville-Dieu. Le goudron à chaud. Et le sucre, c'est contre, justement, cette déviation. Enfin, cette déviation. L'agrandissement d'une voie, d'une voie à deux voies, de passer à quatre voies, projet que Wauquiez porte à bout de bras, là, oui. Et qui va passer à tout prix, c'est 130 hectares de terre qui seraient réquisitionnés, et donc 80 hectares de terre agricole. Alors, pour le coup de l'artificialisation des sols, on est complètement au fond du truc. Hein. Voilà. Donc, plus jamais ça participera, je pense, sans doute. Enfin, ils ne savaient pas trop comment les joindre. Il y aura des animations enfants. Donc, dans cet après-midi organisé à Saint-Pierre-de-Colombier le 19 juin, il y a des jeux. Les enfants peuvent jouer avec des grands jeux en bois. Là. Puis, il y a aussi des balades en poney.
voilà, à partir de 15h. Tout ça se fera dans le respect des règles sanitaires. Évidemment. Alors, ils ont insisté, les amis de la Bourge, là, pour me dire, il faut à tout prix que tu dises ça, parce qu'il ne faudrait pas que y a un général, peut-être, qui pourrait rebondir sur le fait qu'on ne respecte pas assez les règles sanitaires. Voilà. Oui, enfin, elles sont bien assouplies, quand même, maintenant. Elles sont bien assouplies. Elles sont bien assouplies. Mais enfin, tout ça, voilà, les gens viendront avec les masques et tout, on respectera les distances, les règles sanitaires, etc. Donc, c'est une journée festive intéressante qui se profile, là, pour ce 19 juin. Le matin, on vient au MRAP de 11h à 14h30. À l'Agora. À l'Agora. À 14h30, hop, on prend le véhicule et on va à 15h, 16h ou plus tard rejoindre ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier. Et c'est bien, quoi. Voilà. Ça fera du bien de faire un peu de festif. Et voilà, ce sera. Et tout ça, c'est festif, voilà, comme tu le rappelles. Voilà. Très bien, voilà. Alors. Il se passe ça, mais on est dans un moment électoral. Alors forcément, il y a Mélenchon qui en a parlé hier. Il paraît qu'il y en a plein qui ont poussé des cris d'orfraie déjà. Oui, comme on est dans un moment électoral, évidemment, on nous a sorti des événements qui ont trait à la sécurité, qui sont passés. Il faudrait pas oublier qu'on est quand même dans un pays insécure. Oui, une fois de plus, le moindre truc, je ne sais même pas dire pas, le moindre truc verbal qui sort un peu de l'ordinaire, et aussi c'est que les politiques s'engouffrent dessus pour monter la chose en épingle. Voilà, alors lui, il a osé dire que dans les calendriers électoraux, à chaque fois, on a des événements comme ça qui sont sortis, et là-dessus, il y a plein de gens qui ont commencé à dire, mais c'est un complotiste, c'est un affreux, etc. Bien sûr. Mais alors, justement, sur ce sujet de la sécurité, Marie-Claude, il me semble que tu avais beaucoup d'éléments et qui abondaient un petit peu dans le même sens, justement. Oui, les violences et les insécurités, chaque fois qu'il y a des élections, de toute façon, on en parle. Ces mots sonnent et sont répétés tant que l'on veut et tant que l'on peut. Les politiques s'en servent, surtout surtout ceux de droite, j'ai remarqué, surtout ceux de droite d'ailleurs. On voit fleurir dans leurs programmes régionaux les propositions d'aide à l'équipement, des polices municipales. Dans les communes, on développe et on se dote de polices municipales. Armées, oui, maintenant. On développe également la vidéosurveillance qui est rebaptisée la vidéoprotection. Voilà. Novlangue l'oblige. Novlangue. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce la solution ? Je sais pas, on se souvient, enfin moi je me souviens de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Cet attentat n'a pas été empêché. Pourtant Nice, j'ai regardé, j'ai vérifié, c'est une des villes les plus dotées de caméras. Oui. Donc voilà, vidéoprotection. Je vous laisse voir vidéoprotection, ce que ça veut dire. Par contre, donc, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un climat anxiogène qui est surtout pérennisé par les LREM, les LR et les RN. Tous ceux qui ont un R dans leur truc. Oui, c'est vrai. Et qui leur sert bien pour les élections. Voilà. Après, c'est vrai que l'État a le devoir d'assurer la sécurité, en fait. La police doit être une police de proximité, mais aussi d'investigation. Oui, mais est-ce que c'est le cas? Je me pose la question, où sont nos agents de la paix? On a plutôt une police répressive, ouais. Maintenant. Police de proximité, ça voudrait dire, tu sais, comme ça se passait, moi j'ai vu ça, des gardiens de la paix jouer au foot avec les gamins du quartier. Oui. Est-ce que on imagine un seul instant que c'est encore possible? Non, pas en ce moment. Il y a eu une grosse fracture. Il y a une grosse fracture qui s'est faite maintenant. Oui, et puis bon, moi je me dis, et si nous parlions plutôt de sécurité sociale ? Oui. Sociale dans le sens où... Tu ne parles pas de la sécu, là. Non, je ne parle pas de la sécu. Je me dis, si l'insécurité commençait avec le chômage, oui. Et la précarité, oui. Par exemple. Et c'est le cas, je pense. Hein. Oui. Ainsi que, donc, ce que je vois aussi, c'est la disparition des services publics.
Bien sûr, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des débats et des endroits où l'on puisse parler de tout ça et remettre tout à plat là aussi pour avoir vraiment... Tu nous parles d'un grand débat à la Macron. Il viendrait nous expliquer et tout. Moi, je parle d'un vrai débat. Ah, pardon. Je parle d'un vrai débat. Bon, voilà. D'accord. Augmenter le SMIC, peut-être, ça permettrait de lutter contre la précarité. Et oui, mais ça dépend contre... des municipalités. Il y a des municipalités, ouais, disons, de gauche qui ont une ouverture qui n'est pas du tout la même que des municipalités de droite. Ouais. Et on l'a vu récemment, là, le maire, c'était une municipalité de droite et qui est passée à gauche, communiste, et le maire voulait désarmer la police municipale. Ça a levé un tollé chez certains, évidemment, polémique. Tous les moyens sont bons pour faire de la polémique. Mais c'est vrai que pourquoi pas, est-ce qu'un policier municipal armé qui n'est pas formé est pas dangereux pour autant pour lui que pour les autres? Je veux pas jeter la pierre à personne, mais il faut quand même. Déjà que les policiers nationaux sont mal formés pour le maniement des armes, ils ont très peu d'heures de formation. Alors un policier municipal, c'est compliqué, quoi. Alors il y a un autre volet, il me semble, sur la sécurité, c'est la psychiatrie. Je ne sais pas comment tu le déclines, peut-être tu as des éléments là-dessus, Marie-Claude. Bah, c'est vrai que c'est un désastre, la psychiatrie en France, bah, petit à petit, tout ferme. Hein. Oui, tout ferme, enfin on ne donne plus de moyens, hein. il n'y a presque plus de moyens pour pouvoir faire de la bonne psychiatrie et de la santé. Moi, je me posais la question, on relâche des personnes parce qu'ils sont en centre et les centres sont blindés de personnes avec des gros soucis. Donc, on essaie de les remettre dans la vie active, on va dire, on essaye de les réadapter. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet et il me semble que tout revient à la santé. Il n'y a pas les moyens de les suivre. Ils n'ont pas de suivi derrière sérieux. Ce qui fait que, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre aussi des moyens là-dedans pour avoir... est-ce que toute l'insécurité dont on parle ne vient pas quand il y a des attentats et des... Peut-être aussi, on devrait se plonger là-dessus, quoi. Oui, parce que le point commun qu'on nous sert habituellement sur le fait qu'il y a un attentat quand il y a des élections, souvent, quand même... On met ça en avant. Et souvent, ce sont des affreux islamistes. Oui. Mais en même temps, ce sont très souvent des gens qui sont en pleine détresse, qui ont un gros problème psychologique derrière eux, qui sont des gens qui sont schizo ou qui... Des gens fragilisés et fragiles. Fragiles. Qui subissent l'influence. On l'entend à chaque fois quand ils commencent à nous présenter le bonhomme. À chaque fois, on sent bien que la personne en question est en position de détresse, qu'elle est fragile, que tout ça. Non, mais de toute façon, tout ce qui explique tout ça, c'est l'islamisme. Hein. Oui. Et donc, Alors, les aider comme ça. Est-ce que tu as fini sur le sujet sécurité ou est-ce que tu avais d'autres choses à dire ? J'avais quelques éléments sur la loi sécurité globale, qui a été, donc, le 20 mai 2021, là, le Conseil constitutionnel a censuré l'ex-article 24, qui est devenu l'article 52. Parce qu'il l'a jugé contraire à la Constitution. Cet article vise à protéger les forces de l'ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image. Je rappelle que 90 députés avaient la France Insoumise, Parti Socialiste et Apparenté, les écologistes et le Centre, avaient saisi la juridiction pour faire annuler cet article. Enfin, toute la loi même, sécurité globale. Et en fait, le Conseil constitutionnel a censuré 4 autres articles. Il les considère comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de la loi. D'accord. Et donc, je rappelle, je vais citer cet article parce que quand même, le Conseil constitutionnel a jugé insuffisant. Il a jugé insuffisamment précis. Et le premier paragraphe de l'article 52, qui punit de 5 ans d'emprisonnement, c'est pas rien quand même, 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Donc, je le cite, « La provocation dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la, police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération. » Bon, alors, il a 50 tôles. 5 ans de tôles, ouais. 75 000 euros d'amende. Ouais. Et cet article manque de clarté. Ouais, ouais. Cet article. Pour protéger les policiers. Il manquait de clarté, puisqu'il a été retiré. Il n'est pas passé. Voilà, il évoquait une incertitude. Ils ont évoqué une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit. Voilà. Alors, on voulait parler un petit peu du Mali, mais vu l'heure qui avance, on n'aura absolument pas le temps. Je vous propose quand même, surtout à toi, Denis, parce que je sais que ça va t'interpeller, de parler de cet intox qu'on a eu sur les médias à propos de cette nouvelle taxe qui était mise en avant par Joe Biden, hein, et qui, lui, voulait que toutes les entreprises sur la planète puissent être taxés d'une manière, on va dire, universelle pour arrêter le fait que les GAFAM passent à travers, ouais, en fait. Et ils proposaient une taxe à 21%. Hein. C'était déjà plus ou moins déjà lancé par l'Europe. Donc, soi-disant, la France, l'Allemagne et compagnie. Déjà, soi-disant, ils travaillaient dessus. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, ça avançait beaucoup plus vite d'un seul coup, au détriment peut-être de certains, mais bon, ça avançait beaucoup plus vite. Et apparemment, le G7 s'est entendu pour une taxe à 15%, pour commencer. 15%. Pour commencer, en disant, oh, ça peut monter encore, pourquoi pas. Et le G20 va se réunir et va renégocier, parce qu'il faudrait quand même qu'une majorité de pays qui soient d'accord, et que les pays émergents soient aussi d'accord, parce que là, le problème, ça va être peut-être les pays émergents, plus tous les paradis fiscaux qui vont évidemment traîner les pieds. Mais rien n'est fait, ça va se jouer sur peut-être plusieurs années, parce que c'est sûr que les GAFAM, que ce soit les Google et compagnie, vont pas marcher dans la combine. Là, pour le moment, ils font les gentils. Ce qui est une intox, c'est quand même qu'on nous a expliqué que tout ça, on était très contents. Nous, on a Bruno Le Maire qui est très, très content, qui a crié victoire. Ouais, c'est lui qui a baissé la taxe. Ouais, parce qu'il voulait au départ que la taxe soit plus importante, 21% proposé par Joe Biden. Et c'est Bruno Le Maire qui a proposé 15% pour amener le consensus. Ouais, et il faut savoir quand même qu'en Irlande, à l'heure actuelle, ils sont taxés, presque tous les pays vont en Irlande presque toutes les entreprises vont en Irlande parce qu'ils ne sont taxés que de 12,5%. Donc passer de 12,5% à 15%, c'est pas grand-chose. Et le Luxembourg à 2. Et le Luxembourg, lui, est à 2%. Voilà, et si M. le maire veut faire du zèle, il allait que suivre les émissions là, sur le Luxembourg, et il aurait vu qu'il y a de quoi faire. Ouais. Alors là où on parle d'intoxication, c'est quand même parce que la façon dont c'est présenté, par exemple, sur France Info, je ne sais pas si vous connaissez France Info, donc c'est un truc où ils vous disent que une fois qu'on a vu ça, on a tout compris sur l'actualité. Ben, ils ne parlent absolument de rien. Ils parlent juste des 15% et ils font cocorico pour Bruno Le Maire. Et après, si tu vas sur France 24, par exemple, on te présente tout le truc et on voit bien que le maire, en fait, a été plus libéral que les libéraux, etc. Et donc, on se retrouve avec un truc complètement fou, c'est que la France est devenue le numéro un pour l'attractivité sur les investissements étrangers. Ils font cocorico, là, ils sont tout contents, etc. C'est-à-dire, c'est le pays le plus libéral qu'on a en Europe. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, un petit rappel, parce que c'est l'heure, des différents événements, surtout le 19. Voilà, juste la veille des élections. La veille des élections. L'UMRAP à Bona, à l'Agora, et puis à Saint-Pierre-le-Colombier pour la fête de l'abrogation de peut-être avoir arrivé à ce basique, que ça ne fasse pas. Oui. Alors, il nous reste 30 secondes, un petit peu plus. On voulait parler du Mali. On n'a pas vraiment le temps de développer ce qui se passe au Mali. Mais on est vraiment à nouveau complètement dans la France-Afrique. Ouais. Et puis, ça sert les intérêts. Ce qui est bon au Tchad n'est pas bon au Mali. Voilà. On se retrouve avec Idriss Déby, le fils
puisque Idriss Déby est mort, le fils qui a fait un coup d'État, et il est adoubé par Macron, ouais. Parce que c'est un bon coup d'État. Ouais. Mais par contre, au Mali, c'est pas un bon coup d'État. Non, les intérêts de la France, enfin des multinationales, ouais. Sont en danger. Alors vite, 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 il faut sévir et rentrer dans le droit. C'est tout, c'est pitoyable tout ça. Ouais. Hein. Et oui, pauvre Afrique. L'image, voilà. Pauvre Afrique. Et pauvre Afrique et la France joue pas son rôle, quoi. Elle joue le rôle pour ses entreprises. Ouais, c'est ça. Pour les multinationales. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.